Bien, bonsoir, bienvenue à toutes et à tous. Je vous propose qu'on commence sans plus attendre cette soirée. Donc, répondant à une suggestion de Serge Lasvin, le président du Centre Pompidou, le service de la parole du DDC s'est allié au service du développement culturel de la BPI, la Bibliothèque publique d'information, service dirigé par notre ami et collègue Emmanuel Payen, pour organiser cette soirée en écho aux attentats du 13 novembre dernier. Donc nous avons invité à cette occasion, et je crois que c'est une première, deux professeurs au Collège de France. Il arrive que nous en invitions un, deux, c'est assez rare. Le premier ici à votre gauche, Pierre Rosanvallon, qui est un historien, sociologue et philosophe connu depuis longtemps de tous ceux qui s'intéressent aux questions sociales et politiques. Il s'est exprimé à diverses reprises sur la situation engendrée par les attentats de l'année 2015. Et parmi ses nombreuses publications, je citerai seulement son livre paru il y a quelques mois qui s'intitule « Le bon gouvernement au seuil », qui est le quatrième volet d'une longue enquête, une enquête de fond sur la mutation des démocraties contemporaines. Le second professeur au Collège de France que nous avons le plaisir de recevoir ce soir, peut-être pour la première fois au Centre Pompidou, Patrick, voilà, ça ne sera pas la dernière, mais en tout cas c'est la première, Patrick Boucheron. Patrick Boucheron a été élu l'an dernier au Collège de France. Il a commencé le 4 janvier 2016 à donner ses cours après sa leçon inaugurale de décembre dernier. C'est un historien de l'Italie, de la fin du Moyen-Âge et de la Renaissance. On lui doit notamment le livre qui s'appelle « Conjurer la peur, Sienne 1338 », essai sur la force politique des images. Et puis, il est intervenu sur des questions plus contemporaines récemment avec deux livres. Tout d'abord, « Prendre date » avec Mathieu Riboulet aux éditions Verdier. Et puis, « L'exercice de la peur » avec Corey Robin aux presses universitaires de Lyon. Et puis, notre troisième invité, que nous avons aussi le plaisir d'accueillir pour la première fois aujourd'hui, c'est Nicolas Truong, qui est journaliste au Monde. C'est le chef du service Débat Idées et il est notamment l'auteur de deux livres en relation directe avec le sujet de ce soir, qui ont paru aux éditions de l'Aube, Résistance intellectuelle et Résister à la terreur. Voilà, je leur laisse la parole sans plus tarder. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci au Centre Georges Pompidou. Bonsoir à toutes et à tous. Pour une soirée un peu particulière, un peu singulière, puisqu'il va s'agir de tenter de penser un événement majeur qui est arrivé dans nos vies. Alors précisément, qu'est-il arrivé depuis en France depuis un an, depuis ce terrible mois de janvier 2015? Alors tout d'abord, à la surface des choses, l'irruption de scènes de guerre par temps de paix, l'importation des conflits du Moyen-Orient dans une contrée que nous pensions pacifiée, un carnage obscurantiste sur une terre laïciste, le surgissement du chaos syrien au cœur même de l'Est parisien. Et comme l'a expliqué le juriste Antoine Guérapon, ces événements ont peut-être marqué l'avènement de la fin du lien historique entre territoire et population, entre individus et nations, parce que telles des ONG, telles des organisations non gouvernementales, mafieuses et meurtrières, ces groupes dits djihadistes se jouent des frontières, des loyautés et des appartenances. Autrement dit, le djihad est devenu l'Erasmus du délinquant radicalisé, l'horizon mondial du caïd de quartier, ou bien celui des enfants perdus de la classe moyenne française. Parce qu'en effet, ces jeunes que l'on dit radicalisés, nous allons beaucoup nous interroger ce soir aussi sur le sens des mots, leur poids, leur portée, ces jeunes radicalisés semblent habiter plusieurs espaces mentaux, la France, mais aussi le Moyen-Orient. Ils semblent à la fois ici et là-bas, et pour une frange déstructurée de la jeunesse, la France ne fait plus sens. Pour une minorité agissante, un journal parlait de 8000 jeunes radicalisés en France ce matin même, la détention d'une carte d'identité nationale n'empêche pas la revendication de
d'identité internationale à la carte, français le temps d'un match, un soir, et soldat du califat irakien le lendemain. Donc le terrorisme, appelons-le comme ça pour le moment, fait donc désormais partie des données immédiates de notre conscience, et la France semble danser sur un volcan, puisque cette fabrique terroriste tourne à plein régime dans ces universités du djihad que sont devenues les prisons insalubres et surchargées de la France. Alors, comment tenter de penser l'événement? Comment le nommer? Comment dire cette terreur qu'on pourrait qualifier rapidement comme ça de postmoderne, qui mêle individualisme radical et fondamentalisme global? Comment nommer cette violence qui semble retourner la mondialisation contre elle-même? Comment ne pas céder à la mise en place d'une politique de la terreur? Comment ne pas céder à la terreur elle-même? Il semble que les repères idéologiques soient brouillés, soient vraiment bousculés, parce que le monde vient brutalement de changer et parce que la bulle occidentale a peut-être explosé sous le coup de ces djihadistes qui ont retourné la modernité contre elle-même. Donc voici nos sociétés placées devant la nécessité d'agir, mais aussi devant la nécessité de penser. Et c'est pour ça que je remercie tout particulièrement Patrick Boucheron et Pierre Rosanvallon de s'être joints à nous pour tenter de penser cet événement, de penser cette violence qui arrive, qui nous menace. Et alors, ils ont été présentés. Je rappelle simplement qu'effectivement, ils sont tous les deux professeurs au Collège de France. J'aimerais rappeler le titre de la chaire de Patrick Boucheron, c'est « Histoire des pouvoirs en Europe occidentale au XIIIe et XVIe siècle ». Je précise cela parce que nous allons tenter aussi ce soir de profiter d'avoir deux historiens parmi nous pour mettre un petit peu cette question de la violence, de la peur, pourquoi pas du terrorisme lui-même, en perspective historique, puisque même s'il y a quelque chose de totalement nouveau, ce qui fait la singularité de ces événements depuis janvier 2015, la violence a elle-même une histoire, et notamment en France. Donc il a publié récemment l'exercice de la peur avec Corey Robin, paru aux presses universitaires de Lille. Et c'est assez intéressant puisque c'est une conversation précisément sur les usages politiques d'une émotion avec un historien de la violence. Conjurer la peur, il en a été question, donc sur Sienne 1338, et sans doute une fresque sur laquelle nous reviendrons ou sur laquelle il reviendra. Et puis prendre date, Paris 6 janvier et 14 janvier 2015, c'est un échange épistolaire avec l'écrivain Mathieu Riboulet sur précisément ce qui nous est arrivé, en tout cas en janvier dernier. Pierre Rosanvallon, que je remercie également, j'aimerais aussi donner l'intitulé de sa chaire, puisque lui, sa chaire s'intitule « Histoire moderne et contemporaine du politique », c'est-à-dire qu'il s'est intéressé notamment avec un certain nombre de livres, comme « La société des égaux », « La contre-démocratie », à cette histoire politique de la France, et qu'il a pu montrer dans ses ouvrages que la peur a été constitutive, mais elle a été aussi constitutive, bien sûr, d'une tentation de gouverner par la peur, mais aussi, il y a des usages positifs de la peur en France. Il l'a rappelé dans quelques ouvrages et dans un certain nombre de ses chapitres, parce que c'est notamment comme ça qu'un certain nombre de réformes sociales ont pu avoir lieu, puisque c'est l'État qui avait peur du peuple, du nombre, de la multitude, et qui a pu céder quelques concessions, notamment sociales. Il vient donc de publier Le Bon Gouvernement. Je voudrais rappeler qu'il anime ce qu'il appelle lui-même une coopérative intellectuelle qui s'intitule La République des idées, et qu'il anime également le projet Raconter la vie. Il y avait d'ailleurs un jeune homme qui est moins jeune maintenant, qui racontait son parcours de barbu dans les années 90, qui a été publié dans cette collection qu'il dirige aux éditions du Seuil. Je passe sans plus tarder la parole à Patrick Boucheron, parce qu'on aimerait bien sûr avoir une perspective historique, mais peut-être après tout un petit moment de clarification linguistique. Au fond, vous parliez avec Mathieu Riboulet d'attentats quand nous étions en janvier dernier. Aujourd'hui, diriez-vous attentat, diriez-vous massacre, assassinat?
Bref, quelle est la nature, mais comment, du coup, nommer cette violence qui nous arrive et nous menace et nous a tous touchés à la fois dans notre, on va dire, dans notre intimité publique et collective. Oui, c'est toute la question, mesdames et messieurs. Bonsoir, je suis très heureux d'être là, inquiet aussi en même temps, parce que je me dis que si vous pensez que un médiéviste peut être d'une quelconque utilité dans notre situation, c'est pas forcément bon signe. Enfin, je veux dire, c'est vraiment que l'heure est grave. Et pourquoi le serait-elle ? Parce qu'on voit bien que face à un événement qu'on ne sait pas bien nommer, qui est recouvert par des discours qui, au fond, l'enferment davantage qu'il ne l'explique, on a besoin de recul. Mais on craint aussi que ce recul soit un éloignement, et un éloignement justement de ce qu'il y a d'irradiant dans l'événement. Ne pas trop reculer non plus, essayer de trouver la bonne distance. De quoi va-t-on parler avec Pierre Rosanvallon, historien du contemporain et du politique, du terrorisme sans doute, de la violence, mais jusqu'où ? Au XIXe siècle, les guerres de religion, le califat dont vous parliez nous amènerait à évoquer un Moyen-Âge rêvé qui est celui des djihadistes. Mais alors, est-ce que ça ne serait pas tomber dans un piège, justement, que de trop reculer ? Donc ça, c'est déjà une question qui, à mon avis, va nous animer et nous inquiéter. L'attentat. C'est comme ça que mes filles, j'ai deux petites filles, racontent quoi ? Je ne sais plus, sans doute déjà les deux ramenés l'un sur l'autre. Une année 2015 qui devient un peu vague, mais qui assurément fait une entaille dans leur vie. Elles disent « depuis l'attentat ». Un attentat, peut-être que ce qu'il produit, ce en quoi il nous affecte, c'est qu'il attente à la capacité qu'on a de le nommer et de le désigner et de le mettre en récit. Et alors oui, je crois que cette question-là de la dénomination, elle n'est pas accessoire, elle est absolument fondamentale si on veut comprendre ce en quoi ça nous affecte, ce que ça fait à nos vies et à notre incapacité au fond, parce que ça peut nous voler du récit, de la capacité de récit. C'est ça que ça a fait. Pendant quelques jours après les événements de janvier, après le 13 novembre, l'incapacité dans laquelle nous fûmes de continuer le récit de nos vies, de faire s'interroger sur un récit collectif, celui de la France, celui de l'Europe, celui du monde. Voilà. Donc c'est ça qui est quand même, c'est à cela qu'on attente quand même, c'est-à-dire cette capacité qu'on a à être maître du récit, de raconter nos vies. Donc, je pense que ça, c'est quand même très important. Alors, concrètement, oui, on a dit attentat. On a dit attentat terroriste. Lorsque, avec Mathieu Riboulet, nous avons voulu prendre date, c'est ça le titre du livre et son intention toute simple, c'est-à-dire inscrire quelque part un moment. Évidemment, un an plus tard, on voit comment on a bougé par rapport à ça. Nous n'avons pas hésité, personne n'a hésité à parler pour janvier d'attentats terroristes. Terrorisme, quelque chose qui pose un problème de dénomination, même de qualification. Si je ne dis plus dénomination, mais qualification, alors là, effectivement, on voit qu'on verse dans un domaine juridique qui est important. Peut-être que le 13 novembre, certains ont compris que finalement, ce qu'ils avaient pris pour des attentats le 7, 8 et 9 janvier étaient des assassinats politiques, puisque au fond, ceux qui étaient visés l'étaient d'abord parce qu'ils étaient des juifs ou des musulmans apostats, ou parce qu'ils faisaient, parce qu'ils revendiquaient des intellectuels libéraux, et quand c'était des lieux qui étaient attaqués le 13 novembre, avec une violence aveugle, alors on ne pouvait plus parler évidemment d'assassinat politique, mais on se rendait compte que c'était ça qui avait au fond
affecté la société française avant, et on était bien obligé de retrouver ce vieux mot, ce mot terrible, qui pour la première fois a été utilisé vraisemblablement pendant les guerres de religion, le crime en masse de population désarmée, le massacre. Bon. Donc dès lors, il me semble que cette capacité, enfin cette incapacité dans laquelle effectivement les événements nous placent à nommer les choses, et cette instabilité même de la dénomination, est un des effets, peut-être pas souhaité, mais enfin en tout cas réalisé, qui nous fait nous déprendre de tout cela. Et donc, je m'arrêterai là, se pose la question sur laquelle je commençais ma réponse, qui est celle de la distance, de la distance historique. Par exemple, je pense à ce livre de Uri Eisenzweig qui s'appelle « Fiction de l'anarchisme », qui parle de ces années 1892-1894, du terrorisme anarchiste des poseurs de bombes, et qui rappelle qu'à ce moment-là, c'est vécu aussi par les écrivains comme une crise du récit, de la narration. Christian Salmon l'a rappelé dans un article dans Mediapart, qu'il y a un rapport, évidemment, à ce moment-là, évidemment, ce qu'on ne sait pas encore nommer et que l'on va qualifier comme ça, un peu à la hâte, de terrorisme, l'anarchiste poseur de bombes, et au fond, une crise profonde, alors même, on peut même dire une crise littéraire de la narrativité, on est autant de Mallarmé, hein. Mais on est aussi autant des lois scélérates. Ce qui évidemment nous interroge aujourd'hui. Mais avant que je passe la parole à Pierre Rosanvallon, vous dites crise de la narration, récit de nos vies, en tout cas interrompu par la sidération de l'événement, par la monstruosité de ces massacres perpétrés à Paris. Et en même temps, est-ce que ce qui nous a aussi frappé, d'une certaine façon, c'est l'irruption d'un récit, d'un retour au récit, à un grand récit du califat, avec la justification aussi de ces massacres, hein, qui faisait appel, lui en tout cas, la revendication faisait appel à un nouveau récit, à un récit qu'on voulait réactiver, précisément ce récit notamment du califat, du Moyen-Âge, oui. Alors que nous semblions, comme on le disait à une époque, sortis de l'histoire, sortis des grands récits, dans une sorte de gestion un peu tranquille, on va dire, de la citoyenneté partant libérale, comme dit... Oui, on en reparlera, je pense, de cette question de l'usage d'un passé très ancien à travers une langue aussi. Cette langue, nous on dit que c'est une langue arabe parce qu'on ne connaît pas l'arabe, enfin, en tout cas moi je ne suis pas arabisant, mais en réalité les arabisants font une analyse littéraire, stylistique, par littéraire peut vous choquer, mais stylistique, linguistique, par exemple, du communiqué de Daesh du 13 novembre qui a été publié d'un coup, c'est quand même assez intéressant, en arabe et dans sa traduction française. Et Gabriel Martinez-Gros, qui est un spécialiste de l'islam médiéval, a montré que djihadistes, enfin en tout cas plus exactement leurs commanditaires, Daesh, utilisaient une langue juridico-poétique qu'il pensait être celle d'un islam des origines, pour créer un passé, une sorte d'horizon fantasmé d'un passé idéalisé, que ça s'exprimait dans la langue elle-même. Au passage, ça devrait nous faire déjà comprendre, en tout cas, c'est quand même sidérant que les pouvoirs politiques immédiatement n'en tirent pas cette conséquence-là, qu'avant d'avoir une politique arabe, comme on disait autrefois, il faut avoir une politique de l'arabe, une politique de la langue arabe, civile, l'enseigner massivement pour que, justement, elle ne soit pas seulement une langue de la haine et de la peur, ressentie comme telle par ceux qui ne la connaissent pas, évidemment, et qui en subissent les effets.
Donc, c'est cela aussi, retrouver nos droits à la narration, au récit, à la langue. Et c'est pour cela que je pense que, Nicolas Tronc, vous avez raison de parler du travail de Pierre Rosanvallon en rappelant l'importance de raconter la vie, parce que c'est de ça dont il s'agit, au fond. Nous allons, je crois, j'espère aussi, tenter de montrer que, pour comprendre ces événements, il faut des méthodes, du calme, de la patience, des sources, donc des sciences sociales. Ça, c'est pas inintéressant de rappeler l'importance des sciences sociales aujourd'hui. Mais dans un premier temps, il faut d'abord raconter, il faut faire récit, il faut... Et c'est pourquoi... Enfin, qu'est-ce qu'on a fait ? On a quand même lu les récits de vie des victimes, ce qui pour moi est très important. C'est pas seulement écrire des tombeaux, mais rappeler au fond les vivants à leur vie. Et puis, pour l'instant, on essaye de comprendre quelque chose en lisant des reportages sur des trajectoires de radicalisation, de déradicalisation. Donc déjà, produire un récit de ce qui nous arrive avant d'analyser et de tenter de comprendre. Alors faire ce récit de ce qui nous arrive, pour faire ce récit, on a envie de comparer. Et lors d'un entretien avec mon collègue Gérard Courtois, donné au Monde le 5 décembre dernier, Pierre Rosanvallon, vous posez la question, savoir si cette violence vous rappelait quelque chose, violence des années 70, violence des années 1970, violence révolutionnaire de l'Europe dans les années 60-70. Vous disiez non, au fond, c'est très différent. Après tout, peut-être la seule expérience qui peut être comparable, c'est la philosophie nihiliste russe de Sergueï Netchaïev dans les années 1860-1870, qui, dans son catéchisme révolutionnaire, disait... Le révolutionnaire ne connaît qu'une science, celle de la destruction. Qu'avons-nous, pour vous, vécu ? Comment le nommer ? Y a-t-il eu des précédents qui peuvent nous aider à comprendre ce qui est arrivé depuis un an ? Des violences, des attentats, des formes de terreur, nos sociétés en ont connu depuis longtemps de très importantes. Ce qu'il faut rappeler tout de même, c'est que ça n'est pas simplement justement dans l'histoire lointaine. Dans les années 1970 en Europe, il y a tout de même eu en Italie les Brigades Rouges, avec qui il y a eu tout de même bien sûr aussi des attentats qui ont été commandités par des groupes anarchistes de droite. En Allemagne, la fraction Armée Rouge a à la fois fait des attentats ciblés comme les Brigades Rouges, mais aussi des attentats beaucoup moins ciblés, lorsqu'ils se sont alliés, par exemple, pour faire le détournement de l'avion de la Lufthansa à Mogadiscio. Il ne faut pas oublier que même en France, en 1969, au moment où la gauche prolétarienne est mise en place, Serge Julie publiait avec Alain Gessmar il faut rappeler parce qu'il y a des jeunes générations là. Un livre qui avait pour titre en 1969 « Vers la guerre civile ». Bon, et que la gauche prolétarienne s'était dotée tout de même d'une branche armée, et que cette branche armée, la nouvelle résistance populaire, avait comme théorie le fait qu'on se trouvait dans une situation de France fasciste qui nécessitait la mise en place d'éléments de résistance équivalents à ceux qu'il y avait eu pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il ne faut jamais d'ailleurs oublier qu'en 1968, on est simplement à peu près 20 ans après la fin de la guerre. Aujourd'hui, nous sommes plus de 50 ans après. Donc il y avait une proximité avec ces événements qui était très, très grande. Il ne faut pas oublier qu'après, même si c'est des groupes beaucoup moins importants, la fraction Armée Rouge, c'est à peu près 80 personnes. Alors qu'en Italie, il y a eu des centaines de personnes qui ont été directement impliquées, ou en tout cas proches, complices de l'action des Brigades Rouges. Action directe qui a pris la suite de la nouvelle résistance populaire, comme les cellules combattantes communistes en Belgique, c'était des beaucoup plus petits groupes. Mais tout cela fait partie de la vie de nos sociétés. Et comment on a dépassé ces formes de terrorisme de l'époque ? Pour une raison très simple,
c'est que ces formes de terrorisme étaient inscrites dans une stratégie politique, étaient inscrites dans une logique qui se voulait révolutionnaire. Et c'est le constat que cette stratégie n'était pas efficace, n'était pas payante, ne conduisait pas à la révolution, n'emportait pas les masses populaires, comme on disait à l'époque. C'est ce qui a conduit, peu à peu, le groupe Fraction Armée Rouge à se réduire, les Brigades Rouges à abandonner, et pour ce qui est de la nouvelle résistance populaire en France, c'est le constat qu'au fond, des combats comme ceux de Lippe, il y avait tout à l'époque beaucoup de combats dans le milieu ouest, de nouveaux combats de lutte de femmes dans les entreprises, des combats d'ouest. Il y avait des nouveaux acteurs qui arrivaient sur la scène sociale, des nouveaux acteurs et aussi des nouvelles formes d'action, et qu'au fond, elles étaient beaucoup plus susceptibles de changer la société que ces actions très minoritaires où on se prenait pour des résistants luttant face à l'occupant. Et qu'il y avait eu une sorte, je dirais, de dérapage de l'imagination, des représentations du monde, qui ne correspondaient pas véritablement à ce qui était vécu. Donc, au fond, c'est la raison politique, c'est même une raison stratégique qui s'est amenée peu à peu, qui a amené peu à peu ces groupes-là à penser que le changement du monde, ou même une perspective radicale, ne trouvait pas là les instruments adéquats de son action. Et nous voyons là que de façon radicale, certains individus ou certains groupes pensent à nouveau que là est la solution. Et je pense que c'est ce retour de ce que nous croyons derrière nous qu'il faut analyser. Alors bien sûr, on peut l'analyser, et mettre des mots est effectivement très important, de plusieurs façons. On peut l'analyser à partir, je dirais, des effets matériels d'un certain nombre d'actions. Effets matériels qui peuvent être qualifiés d'attentats, qui peuvent être qualifiés de meurtres, qui peuvent être qualifiés de massacres. Cela, c'est la description matérielle. Et cette description matérielle, elle est effectivement différente entre les événements de janvier et ceux de novembre. Parce qu'en janvier, on voit bien que ce sont des individus précisément qui sont visés, ou des groupes qui sont précisément visés. Alors que là, en novembre, on a eu le sentiment d'une attaque beaucoup plus générale contre la société et que l'on avait justement de la peine, d'une certaine façon, à formuler correctement. Et il était beaucoup plus facile de mobiliser pour un défilé des personnes qui étaient nommément attaquées, des libertés qui étaient directement menacées, des groupes qui étaient directement stigmatisés. Alors que c'est lorsque la société elle-même qui est en cause, la mobilisation, elle n'a pas eu lieu. Elle a été marquée par des célébrations autour de monuments funéraires, d'une manière ou d'une autre, mais elle n'a pas été un rassemblement de la société comme celui qui avait eu lieu le 11 janvier. Donc, on peut d'abord dire cela, qu'il y a une interrogation sur cette distinction qu'il y a entre ces deux moments qui ne sont pas de même nature. Parce que le premier moment de janvier, d'un certain point de vue, il a un côté qui est très classique, si je puis dire, lamentablement classique, mais il est relativement classique. Parce que l'antisémitisme fait partie encore, hélas, de notre histoire. Parce que la résistance à un certain nombre de libertés, elle fait partie de notre histoire. Parce que la stigmatisation d'un certain nombre de journalistes, elle fait partie de notre histoire, à des degrés divers, et elle n'a cessé d'en faire partie. Alors que les événements de novembre, les massacres de novembre, ils ont été d'une autre nature. Et dans l'histoire du terrorisme, il y a toujours eu ces deux dimensions. Le terrorisme des années 60 et des années 70 a toujours oscillé entre ces deux dimensions. Une dimension de personnes qui étaient directement ciblées quand les brigades rouges tiraient dans les jambes, la jambisation de personnes qui étaient accusées d'être des réformistes ou d'être traîtres à la condition ouvrière. Il y a aussi bien des juristes, des professeurs d'université, des syndicalistes. Les patrons, eux, on les assassinait, mais les juristes et les syndicalistes, on leur tirait dans les jambes, simplement. Et là, il y avait le sentiment que des personnes étaient visées pour un motif révolutionnaire tout à fait lisible. La fraction armée rouge en Allemagne, pendant un moment, c'était la même chose. Et puis, il y a eu des débordements, où c'était des attentats qui étaient devenus beaucoup plus aveugles. Et là, c'était comme une fuite en avant. C'était comme une vision un petit peu de révolution apocalyptique qu'il fallait développer, ce qui faisait penser au grand changement qu'a eu l'OAS, par exemple, en France,
au moment des événements d'Algérie. Lorsque il y a eu la décision par référendum mettre en place le principe d'autodétermination du peuple algérien, c'est là que l'OAS a surgi. Et l'OAS, d'abord, a surgi en attaquant directement un certain nombre de personnalités politiques, en attaquant des militaires, en attaquant ceux qui étaient, en quelque sorte, les promoteurs de cette politique en Algérie. Et puis, peu à peu, l'OAS a commencé à faire exploser des bombes et puis des véhicules piégés dans les quartiers musulmans d'Alger. Et l'OAS était une sorte d'escalade, justement, dans ces attentats qui étaient des attentats complètement aveugles. Et qui a créé, on le sait d'ailleurs, la création de ces fameux barbouzes qui n'ont fait que rajouter à cette confusion mortifère. Et bien sûr, les répliques qui étaient celles du FLN à l'époque. Mais malgré tout, ces attentats aveugles de l'OAS étaient toujours inscrits tout de même dans un moment politique, dans une perspective d'inflexion de l'histoire. Et là, que visent ces attentats ? Que visent les attentats de novembre, au fond ? Je crois que nous avons besoin de qualifier cela et de réfléchir au sens de ces attentats. Quel est le sens de ces attentats ? Au fond, ils peuvent répondre à deux logiques complètement différentes. Ils peuvent répondre à une logique individuelle et à une logique collective. La logique collective, eh bien, ce serait le nouveau nom qui est donné à un nouvel internationalisme. L'internationalisme qui a pour but justement de réaliser le califat. L'internationalisme qui pense qu'il va se réaliser en reprenant comme guide cette phrase du prophète disant que le paradis est à l'ombre des sabres et de penser qu'au fond il y a une hygiène de la terreur pour faire advenir ce nouveau mouvement révolutionnaire qui n'est plus un mouvement de la révolution sociale, mais un mouvement de la révolution religieuse. Et cela, ce serait le nom d'une nouvelle forme d'internationalisme. Et puis, de l'autre côté, il y a ceux qui sont les agents individuels de ces actions et qui, eux, mêlent l'inscription pour certains à quelques degrés que ce soit dans cette vision, et pour d'autres simplement, c'est ce que montrent beaucoup d'enquêtes, l'inscrivent dans une psychologie de l'affirmation de soi, qui n'a des racines religieuses que très lointaines. Et pour nous, à ce moment-là, c'est une interrogation, dans les deux cas, radicale. Pourquoi notre société est-elle confrontée à cela ? Il y a évidemment, je pense, on ne peut pas vivre ces événements, et ne peut pas vivre et comprendre ces événements que si nous en avons simplement une compréhension extérieure et psychologique. Nous devons, d'une certaine façon, comprendre qu'ils sont une question intérieure à nous-mêmes. Alors, en quel sens ? Bien sûr qu'ils sont, par bien des aspects extérieurs, ce sont des individus marqués par soit ce projet du nouvel internationalisme, soit marqués par ce projet d'une affirmation destructrice et folle de soi-même. Mais en même temps, ils nous posent une question sur la nature de la société française, sur les idéaux qu'il y a dans la société française. Des idéaux fous ne peuvent naître que peut-être que dans des endroits où il y en a plus assez par certains aspects. Et de la même façon, on ne peut pas dire, je ne pense pas que l'on puisse dire qu'il y aurait un espèce de terreau sociologique ou de terreau socio-économique qui expliquerait la détermination et le passage à l'acte d'un certain nombre de terroristes. Mais en même temps, il y a tout un ensemble d'éléments de la réalisation de soi, de la difficulté à le faire, qui trouvent dans des actions mortifères une sorte de réponse folle et exacerbée. Et donc, trouver un nom à cet événement, ça n'est pas simplement le qualifier, c'est le qualifier dans notre rapport à nous-mêmes. C'est cela qui me paraît vraiment très, très important, et de le qualifier peut-être, et c'est là que le travail, la réflexion historique peut avoir un sens, dans une histoire beaucoup plus longue la construction de sociétés, et qui aujourd'hui ont cette spécificité que ce sont des sociétés d'individus, et que nous sommes des sociétés d'individus qui sommes
tout de même dans un moment périlleux de leur construction, si je puis dire. Nous sommes des sociétés d'individus à un moment de radicalisation de la modernité. Nous sommes des sociétés d'individus à un certain âge du néolibéralisme. Et je pense qu'il y a un désarroi qui n'est pas simplement un désarroi de type psychologique, mais il n'y a plus aujourd'hui de représentation positive de l'avenir, du progrès, de la construction du monde commun qui ouvre, ça n'est pas l'excuse ou l'explication, mais qui ouvre aussi un champ des possibles pour ce genre de réaction extrêmement pathologique. Et à partir du moment, c'est ça la grande question aussi, c'est comment faire face à des événements pour lesquels les explications rationnelles classiques ne sont plus valables, parce qu'il faut trouver les moyens de réduire la probabilité de ces événements. Et pour l'instant, nous n'en avons pas encore, me semble-t-il, la clé, parce que nous n'en avons pas l'intelligibilité. Alors vous avez quand même posé quelques jalons d'intelligibilité de ces événements. Patrick Boucheron, est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée quand même avancée par Pierre Rosanvallon, si je ne me trompe pas, qu'il y a au fond ce que le politologue Olivier Roy appelait une islamisation de la radicalité plutôt qu'une radicalisation de l'islam, et que d'une certaine manière, ces jeunes gens cherchent dans l'islam, dans l'appel au califat, dans l'appel à un Moyen-Âge rêvé et glorieux, où pour parler comme Abdelwahab Medeb, le sujet islamique n'était pas destitué de sa superbe, trouve dans l'islam un moyen précisément de se radicaliser, mais ça veut dire aussi, d'une certaine manière, de trouver un idéal, une idée dont nos sociétés seraient aujourd'hui dépourvues. Oui, évidemment, je pense que le texte d'Olivier Roy, qui est paru dans Le Monde une semaine ou 10 jours, hein, c'est ça, après oui. les événements, et qui se trouve dans le livre « Résister à la terreur », je pense qu'il... Il était important pour nous parce qu'il jetait vraiment une lueur d'intelligibilité sur les événements, en ceci que, d'abord, c'était important de rappeler que s'il s'agissait de l'islamisation de la radicalité, alors, au fond, ce qui semble être vrai sociologiquement, mais là encore, on pourrait en discuter, et puis il faut aussi reconnaître qu'une fois qu'on a dit que les sciences sociales devaient faire leur travail, elles le font, mais dans la mesure de leurs moyens, documentaires, des moyens de l'enquête. Il ne faut jamais oublier ça. On peut toujours disserter sur Daesh. Là, je parle de l'État islamique. L'est-il ou non? Quelle est sa consistance étatique? On peut toujours en parler. Mais d'une certaine manière, à partir du moment où les sociologues, les historiens, les anthropologues n'y vont pas, ne peuvent savoir de Daesh que ce que Daesh dit de lui-même, c'est-à-dire sa propagande, d'une certaine manière, pour l'instant, les moyens de l'enquête sont quand même très limités. Sur la radicalisation, on en sait un peu plus. On sait effectivement, je crois que Pierre, vous avez bien plus de lueurs que moi sur ce sujet, qu'il est important de dire avec Olivier Roy les djihadistes sont des radicaux islamisés, parce que ça permet de dire que d'une certaine manière, la plupart d'entre eux passent à l'islamisme politique sans être passés par la case islam dit modéré. Donc de ce point de vue-là, ça dédouane au fond, ce qui est quand même la grande affaire, l'islam en tant que tel, d'une responsabilité directe dans la possibilité de sa radicalisation. Ça ramène aussi cette histoire à notre histoire. C'est doublement important. C'est important, effectivement, ce que Pierre Rosanvallon vient de rappeler sur notre propre histoire par rapport à la violence politique. Si j'ai écrit ce petit livre « Prendre date » avec Mathieu Riboulet, c'est parce que Mathieu Riboulet est un écrivain qui prend en charge, et notamment dans son dernier livre qui est paru après Le Petit, mais qui avait été écrit avant, qui s'appelle « Entre les deux, il n'y a rien », qui est précisément une histoire
de la violence politique en Italie, en Allemagne et en France, précisément dans ces années dont Pierre Rosanvallon vient de rappeler combien elles avaient été décisives. Il est important aussi, encore une fois, de poser la question de la bonne distance. Quelle est... Alors après, il y en a plusieurs, évidemment. Les historiens futurs choisiront différentes échelles de temps. Mais quelle est la plus pertinente et la plus efficiente? Évidemment, on ne va pas partir d'Ali et des premiers schismes de l'islam entre les sunnites et les chiites. C'est ce qu'on lit à longueur de journée. Et c'est véritablement un piège discursif. La séquence, celle que nous subissons, à partir de quand elle prend forme, dans quelle périodisation? Celle de la guerre d'après le 11 septembre, c'est effectivement le choix de Corey Robin. Celle de la guerre en Irak et de toutes ses conséquences, c'est le choix de beaucoup, de Jean-Pierre Filliu et d'autres. C'est une séquence qui commencerait au fond en 1995, c'est-à-dire avec les premiers attentats du GIA algérien. Au fond, quand on regarde d'un peu près les enquêtes, et notamment les enquêtes des terroristes de janvier 15, on voit bien que certains ont eu un rapport avec le GIA, et que dans ce cas-là, bah, d'une certaine manière, la guerre civile algérienne, pardon, mais c'est aussi notre histoire, d'une certaine manière. Et au fond, ce qui est en jeu, c'est ce que j'ai entendu de ce que vous dites, Pierre, c'est que dans tous les cas, c'est notre histoire. Un nous élargi, un nous plus ancien, un nous qui est aussi celui, bien sûr, de l'histoire coloniale, d'une France diverse, avec évidemment une forte population musulmane qui, comme l'a dit Fethi Ben Slama dans son livre, qui est à mon avis un livre majeur sur la guerre des subjectivités en islam, ressent effectivement comme d'abord une guerre intérieure. Il ne faut jamais oublier que ce terrorisme de l'islam politique, il est d'abord adressé contre l'islam. C'est l'islam sa première victime. Et du point de vue idéologique, politique, et du point de vue d'ailleurs, je dirais, du nombre de victimes. Donc c'est cette question-là qui me semble aujourd'hui saillante. Mais sur la question de la radicalisation, et de, je pense qu'il y a d'autres théories actuellement. Oui, bah les théories, elles sont tout de même de nature. Soit les théories sont d'ordre psychologique, soit elles sont d'ordre socio-économique. C'est quand même ça, les deux grandes familles. Ce qu'on voit dans un certain nombre d'exemples récents, c'est qu'il y a des personnes qui visent à dire qu'au fond, aller tout de suite à ce djihad radical, ça dispense même de la religion. Puisqu'on a vu des personnes qui étaient des personnes qui ne priaient jamais, qui ne faisaient pas le ramadan, et qui sont passées tout de suite à des actes terroristes. Donc à ce moment-là, ça n'était pas en quelque sorte la maturation de quelque chose, c'était l'accélération d'une conception de ce que voulait dire la terreur comme une espèce d'hygiène radicale, d'hygiène religieuse radicale. Et je crois que cette dimension d'hygiénisme de la terreur est très profondément ancrée dans les textes de Daesh, et que ça séduit un certain nombre de jeunes. On le voyait récemment dans la presse, notamment, on disait, la jeunesse dorée en Jordanie est maintenant un terreau de recrutement. Et là, évidemment, ce n'est pas le facteur socio-économique, c'est le passage, et c'est des gens qui étaient très peu pratiquants religieusement, c'est le passage à une forme d'existence, de radicalité de l'existence, de réponse au désœuvrement, au manque de sens, qui tout d'un coup passe aux extrêmes. Mais en même temps, ce qui est pour nous une surprise, c'est qu'il y ait eu des éléments de guerre civile en Algérie, de guerre civile dans d'autres pays, nous avons une raison de penser qu'au fond tout ça arrive parce que c'était des régimes corrompus, que parce que c'était des régimes dans lesquels l'état de droit n'existait pas, c'était des régimes dans lesquels il n'y avait pas de redistribution sociale.
Et nous voyons de loin ces choses-là comme une sorte de, je dirais, de conséquence du fait que ces régimes n'étaient ni démocratiques, ni sociaux, ni favorables aux individus. Et nous voyons que chez nous, même si nous pensons qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, des éléments de cette radicalité trouvent leur place et leur expression, alors même que nous pensons que nos régimes ne sont pas de même nature tout de même. Et c'est cela la question. C'est que ça interroge d'une manière ou d'une autre, c'est pour ça que ça doit interroger en tout cas ce que nous sommes, même si nous ne sommes pas dans la situation évidemment de ces régimes combattus au Moyen-Orient ou en Afrique du Nord. Alors précisément, ce que nous sommes à la fois un individu et collectif, en même temps, vous montrez bien dans vos travaux que les deux ont du mal à s'articuler aujourd'hui. On a en mémoire les crimes du caporal Lortie, ceux d'Andrés Breivik, d'autres tueries comme ça en série, la prise d'otages également, je crois que c'était au conseil municipal de Nanterre, par Richard Durne. On a, comment dire, c'est les portraits presque de ces perdants radicaux, comme dit l'écrivain Hans Magnus Enzensberger. En même temps, là, on a l'impression que ce nihilisme personnel, ce désarroi, devient un mouvement alors que collectif. Là, c'était des cas d'individualité. C'est donc ça. C'est quand même très différent. Si on regarde, ça la singularité dans aujourd'hui. Dans la société américaine, par exemple, le fait que les armes soient disponibles fait qu'il y a des massacres, je dirais, beaucoup de personnes pourraient peut-être faire ça ailleurs, en Europe, mais le fait que les armes soient pas disponibles fait que les cinglés ne peuvent pas acheter des mitraillettes et tuer tout le monde. Aux États-Unis, il y a cette possibilité-là, mais personne n'aurait l'idée de dire qu'on peut parler d'un mouvement social des tueurs en série, alors que nous pouvons parler d'une manière ou d'une autre de ce qui ressemble à une forme d'expression qui fait sens générique, justement, dans ces actions de type terroriste. C'est ça, là, quand même, la grande différence par rapport aux Breivik et compagnie. Alors, Patrick Boucheron, pourquoi est-ce un piège de vouloir en revenir au premier schisme entre sunnites et chiites? Pourquoi est-ce un piège? Et quel retour à l'histoire ne serait précisément pas un piège qui permettrait de tomber dans la propagande soit de Daesh d'un côté, ou soit dans une essentialisation qui irrigue bon nombre de discours aujourd'hui et même de gouvernements? Précisément parce que si nous nous accordons sur l'idée que ce qui fait la différence entre, disons, les crimes de masse aux États-Unis ou ceux dont on a parlé et l'attaque de Daesh aujourd'hui, c'est qu'il y a cette cause mondiale disponible qu'est le djihadisme international et qui donne un sens à l'ensemble de ces actes qui, par ailleurs, peuvent s'expliquer par des raisons psychologiques, voire sociales. Je fais juste remarquer que, là encore, contrairement à ce que une polémique récente laisse penser, quand on dit explication sociologique, ça ne veut pas dire nécessairement socio-économique. Enfin, je veux dire, la sociologie comme discipline, c'est précisément constitué avec Durkheim, avec Mauss, en se saisissant du fait religieux comme d'un fait social. Donc, c'est pas parce que on a dit qu'il n'y a pas un terreau économique qu'il n'y a pas d'explication sociologique. Bon, mais une fois qu'on a effectivement précisé ça, cette cause disponible et qui fait, évidemment, le romantisme révolutionnaire, nihiliste, et qui nous permet de ramener cette histoire à des formes de la nôtre. Qu'est-ce qu'il a à voir quel lien il entretient avec l'islam comme réalité historique? Et c'est là où je dis qu'il faut faire attention aux effets illusoires de la continuité. Si je continue ce que j'avais suggéré tout à l'heure, c'est-à-dire l'analyse stylistique telle que Gabriel Martinez-Gros la propose de ce
de ce communiqué de Daesh du 13 novembre. Effectivement, il est écrit dans un style faussement médiéval, une sorte de poésie troubadour. Bon. Et il écrit, par exemple, mais ça c'est dans la traduction en français, les croisés. Donc là, on se dit, tiens, les croisés, ça veut dire qu'on est dans un imaginaire médiéval, des croisades. En fait, pas du tout. C'est-à-dire, quand on connaît un peu les sources médiévales, les sources arabes de la croisade, croisé est un terme qui n'existe pas, ce qu'on dit, c'est front. Dans la phraséologie de la propagande islamique, le terme croisé apparaît avec les frères musulmans, c'est-à-dire au XXe siècle, avec le nationalisme arabe dévoyé en islamisme politique. Ce qui fait que le mot qui nous semble ramener le plus loin en arrière du Moyen-Âge, en réalité, fait signe vers une histoire politique, qui est l'histoire politique de coloniale et des rejets, des répliques, comme vous dites, dans le nationalisme arabe. Donc il faut se méfier effectivement de ces analogies, et ce qui ne veut pas dire que l'histoire ancienne ne soit pas un recours pour saisir cela. Mais il ne faut jamais oublier que du point de vue de ce qui nous intéresse, c'est-à-dire d'abord l'aujourd'hui et cette irruption inattendue de ce terme califat. Enfin, franchement, califat est un terme qui jusque-là gisait paisiblement dans les livres d'histoire médiévale. Bon. Ne serait-ce que parce que, objectivement, pour un théologien musulman, pour un bon théologien sunnite musulman de la mosquée Al-Azhar du Caire, le califat a disparu. Et que ce n'est pas parce que quelqu'un le proclame quelque part qu'il va renaître. Donc de toute façon, c'est une hérésie du point de vue de la théologie, en tout cas au moins sunnite. Bon. Donc ça veut dire quoi ? Ben, ça veut dire que là, il y a une sorte de disponibilité du souvenir à des effets qui sont des effets évidemment mensongers. Et qu'est-ce qu'il faut faire alors en tant qu'historien ? Il faut dire doctement que le califat, ça a été un empire, et que l'empire islamique, c'est à peu près le contraire de ce qu'on peut penser, c'est-à-dire d'une certaine manière une forme étatique organisée sur la coexistence, pas forcément pacifique ni tolérante, mais la coexistence multiconfessionnelle, et qu'en réalité, c'est lorsque l'islam cesse d'être un empire qu'il se réduit à n'être qu'une religion. Et donc, les formes qu'on nous vend, parce que c'est ça aussi, c'est une forme de marketing lisez, enfin, ou lisez ou lisez pas, mais enfin, regardez la revue de Daesh, qui s'appelle Dabiq, qui se trouve en PDF partout. Enfin, c'est terrifiant de modernité. Je veux dire, les djihadistes sont des modernes. Ils sont modernes. Bon. Donc, tout cela est effectivement expliqué avec candeur et efficacité. C'est une propagande moderne en quadrichromie et particulièrement bien faite. Ça ressemble bien plus à Time Magazine qu'à un tract de la faction Armée Rouge. Voilà. Donc ça, c'est important. Aussi. On n'est pas du tout aussi dans la même... d'abord parce qu'ils sont quand même soutenus par des États puissants. C'est ce qui fait la différence aussi avec le terrorisme dont on parlait. Donc, en termes de marketing, puisqu'il s'agit quand même de vendre une cause mondiale, évidemment, le grand mensonge, c'est d'exalter l'islam comme religion, alors qu'elle n'a été une religion qu'à partir du moment où l'empire qui portait son nom a disparu. Alors, précisément, que produit cette violence dans le corps social ? Nous avons parlé là, au fond, des causes, d'une certaine façon, causes de ces, qui motivent ces djihadistes.
qui, comment dire, violence qui a aussi des causes, même s'il ne faut pas les réduire simplement à l'économique et au social, au psychologique, mais qu'il y a quelque chose quand même à penser dans ce qui arrive à partir des sciences sociales, à partir de l'histoire. Mais qu'est-ce que cette violence fait au corps social, Pierre Rosanvallon ? Parce que vous dites qu'au fond, que ces épreuves, elles produisent soit de la solidarité, soit du délitement. On a vu que ce que vous avez appelé, à propos du 11 janvier, la communauté d'effroi qui défilait à Paris, dans toutes les villes de France, et même d'Europe et du monde, disons, parlons que de la France, n'avait pas produit, pour une certaine manière, avait aussi masqué une certaine discorde nationale. Or, aujourd'hui, après les attentats du 13 novembre, vous dites qu'il n'y a pas eu ce moment même qui a permis précisément à une communauté d'effroi de se réunir. Il y a simplement eu ce monument dont a parlé d'ailleurs Patrick Boucheron lors de sa leçon inaugurale au Collège de France, et cette place de la République qui ne ressemblait plus à grand-chose, peut-être faut-il le dire, mais qui est devenue quelque part un monument vivant aujourd'hui. Aussi parce qu'elle a été restructurée. Avant, et parce qu'elle a été restructurée avant, aussi architecturalement. Voitures, maintenant, c'est un endroit où on peut... Elle est redevenue... se rassembler. Elle a repris son rôle de place et pas simplement de lieu de circulation ou de point de rendez-vous ou d'arrivée ou de départ de certaines manifestations. Donc, qu'est-ce que cette violence, qu'est-ce que cette terreur produit aujourd'hui dans le corps social ? Est-ce qu'on peut, est-ce qu'il y a des éléments pour le mesurer ? En tout cas, il y a effectivement un paradoxe. C'est qu'on peut dire que tout le monde, de fait, n'était pas Charlie. Mais tout le monde n'était pas Charlie, mais il y a eu des millions de personnes dans les rues. On peut dire qu'en novembre, tout le monde était sidéré, solidaire. Personne n'était de côté dans la récusation, dans le rejet de ces horribles actions. Et en même temps, il y avait unanimité du rejet, communion dans le rejet, mais non pas du tout la forme de rassemblement qui avait existé précédemment. Pourquoi ? Pour moi, cette question, elle est essentielle. Et là, parce qu'il était interdit de manifester, ça va au-delà. Non, visiblement pas. Ça allait au-delà. Je crois peut-être qu'il y a un élément, justement, d'entrer véritablement dans la perplexité. La perplexité qui est une partie de la peur, c'est-à-dire, au fond, la difficulté de comprendre sur le fond l'événement au-delà de sa matérialité. Et... qui dit peur, ça me fait penser toujours à cette expression très imagée qu'avait Montaigne quand il disait « la peur engendre souvent de terribles éblouissements ». C'est-à-dire terribles éblouissements, c'est-à-dire des effets d'aveuglement d'un certain point de vue. Et aujourd'hui, nous devons bien constater que la peur augmente quand on a une vision qui est diffuse, qui n'est pas très claire de la menace. La peur, elle s'installe et elle se diffuse lorsqu'on a le sentiment qu'on est aussi isolé, relativement seul. La peur, elle s'installe encore quand on n'arrive pas à la mesurer, qu'elle est indistincte. Et que là, l'effort d'explicitation, il est, me semble-t-il, décisif, justement, pour trouver, je dirais, un usage positif de la peur. Récuser la peur, ce serait tout à fait stupide. Il est normal que dans des situations de danger, il y ait de la peur. Mais une société doit aussi arriver à trouver des formes de rationalisation, à rendre intelligible et lisible les événements et les situations. Et je pense que nous sommes dans une situation où il y a une part de ce qui est arrivé, une part des motivations de ceux qui ont agi, qui apparaît relativement illisible, apparaît relativement incompréhensible. C'est pour ça que l'effort d'interprétation, il est absolument premier, parce que s'il n'y a pas cet effort d'interprétation, eh bien c'est la peur diffuse qui va l'emporter, et dans la peur diffuse vient alors la sécurité elle-même diffuse que personne ne récuse. Il ne faut pas oublier tout de même qu'aujourd'hui, alors que les plus grandes autorités judiciaires du pays, qui l'ont exprimé récemment,
pose la question de la pertinence de l'inscription des textes vivant la déchéance de nationalité dans la Constitution. Que la précipitation de la constitution, enfin des termes de la constitutionnalisation de l'exception sont mis en cause, il y a tout de même 80% ou 90% des Français qui l'approuvent. Et cela, c'est pour moi la question très importante. Et donc, comment faire en sorte que la société ne soit pas en quelque sorte soumise à des visions qui surfent sur les émotions pour faire compétition, si je puis dire, de visions sécuritaires. La sécurité, c'est d'abord aussi l'intelligibilité. C'est la police plus l'intelligibilité, je dirais. Et aujourd'hui, on fait une sécurité en partie de papier que l'on veut mettre dans les textes. Mais il serait plus important de faire de la sécurité, de la vraie sécurité de surveillance, mais surtout de reprendre pied, de ne pas se laisser en quelque sorte vaincre par les événements. Et pas se laisser vaincre par les événements, c'est mieux les comprendre, c'est les rendre plus lisibles. Et là, effectivement... la notion de raconter les choses en leur matérialité est très importante. Je suis frappé par le fait que pour beaucoup d'entre nous, qui ne sont pas croyants ou musulmans en tout cas, l'islam reste quelque chose, un mot valise extrêmement, extrêmement lointain. Et si on ne parle pas de ce que vivent des musulmans au quotidien. Moi, je suis en train actuellement de faire par une jeune de Marseille un livre sur la mosquée de son coin. Non pas parler en général de l'islam, mais qu'est-ce qui se passe dans la petite mosquée d'un quartier ? Que vivent les gens ? Comment ils le vivent ? On a publié aussi dans cette collection un livre d'une jeune, Fatimata, qui est une jeune malienne, tout à fait émancipée, sortant en boîte, etc. Elle arrive en France, un mois après, elle se voile. Il faut pénétrer dans des expériences, dans des existences. Moins on parle précisément des choses, plus on les construit comme une sorte de monde menaçant, imprévisible, et qui ne trouve plus comme dénomination que des préjugés ou des stéréotypes. Et c'est cela aussi notre difficulté, c'est d'appréhender ces événements, d'appréhender cette radicalisation sans être uniquement dans les préjugés et dans les stéréotypes. Car être dans les préjugés, dans les stéréotypes, eh bien, c'est ce qui constitue progressivement, même s'il y a l'affirmation de la distinction entre les deux, c'est ce qui progressivement arrive à constituer une mise à distance, interrogative et prudente peut-être, mais tout de même une forme de mise à distance d'un monde religieux qui représente tout de même près de 10% des membres de notre société. Et ne pas expliquer les événements, c'est forcément favoriser l'amalgame. C'est ne plus voir là où sont les distinctions à opérer. Et on voit qu'à toute allure, dans l'Europe actuelle, c'est ce qui est en train de se passer. C'est cette espèce d'une globalisation, stigmatisation, qui ne va faire qu'aggraver, d'un certain point de vue, les difficultés et rendre plus problématique ce qui serait l'objectif, si je puis dire, c'est la réduction de ce problème pour le maîtriser. Regardons même aux États-Unis la façon dont certains ont parlé de la nécessité de stigmatiser l'islam. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes obligés de réfléchir de façon très neuve à cette question du rapport de société laïque à la religion, parce que la religion a changé de sens. Nous ne vivons pas la fin de la religion, mais le fait que pour énormément de raisons qu'on ne va pas expliciter ce soir, mais la religion joue de plus en plus un rôle central pour un certain nombre de personnes. C'est un fait social. Bon. Alors après, on peut l'analyser, on peut en penser ce qu'on veut, mais c'est un fait social. Et ce fait social, il faut le prendre au sérieux, il faut le considérer comme important, et il ne faut pas se contenter de faire comme s'il y avait un espèce de grand mouvement dont l'indétermination allait nécessairement vers la production, je dirais, de catastrophes que nous connaissons.
Si nous ne faisons pas cet effort de connaissance, cet effort de rapprochement, cet effort de compréhension, eh bien, nous risquons d'avoir pour très longtemps des problèmes très graves devant nous, parce que la très grande différence qu'il y a entre des formes de terrorisme que nous vivons et les formes de terrorisme du passé, c'est que le terrorisme moderne a beaucoup moins besoin d'organisation. À partir du moment où le terrorisme est un terrorisme qui peut être un terrorisme de l'attentat suicide, à partir du moment où le terrorisme peut être, je dirais, un acte individuel, on sait bien que 80% des gens qui s'engagent pour aller en Syrie ou qui se rapprochent de ces actions sont des gens qui font cette évolution dans un groupe de pairs, presque 80%. Et donc, c'est là que se jouent toutes les choses. Et ne pas avoir prise sur cela, eh bien, c'est se condamner, je pense, pendant très longtemps à avoir la difficulté à en sortir et d'être dans une société qui finira, d'une manière ou d'une autre, déjà c'est à 80%, bah, faire le choix de la réduction des libertés comme une façon de penser sa sécurité. Et si nous ne repensons pas la sécurité sur un autre mode que celui dans lequel nous nous engageons aujourd'hui, eh bien je pense que nous verrons que nos démocraties seront extrêmement fragilisées. Pensons tout de même qu'aujourd'hui, il y a dans l'Europe deux pays qui ont ouvertement mis en cause le rôle des juges constitutionnels dans la production des normes démocratiques. Des pays pourtant sortis il y a peu de temps du totalitarisme. Donc, nous ne nous posons pas ces questions-là, simplement, je dirais, dans un contexte qui serait celui d'une maîtrise d'un certain nombre d'événements. Nous posons ces questions-là dans un contexte de fragilisation très préoccupant des démocraties. Ces événements peuvent les accélérer, mais ces phénomènes, ils sont partout à l'œuvre visible aujourd'hui. Et donc, nous risquons, je pense, nous risquons de voir que l'histoire des démocraties est une histoire qui connaît des retours en arrière ou qui a connu déjà des retours en arrière très importants. Après tout, le XXe siècle était le siècle des totalitarismes. Donc on peut aussi imaginer une histoire tragique pour le siècle à venir. Et si nous voulons prévenir cette histoire tragique, eh bien, cela passe en partie par cet effort de rendre intelligibles des événements que nous vivons aujourd'hui. Alors, ce n'est pas simplement, bien sûr, les sciences sociales, ce n'est pas moi qui dirais le contraire, et Patrick non plus. Les sciences sociales ont leur rôle fondamental. Mais je crois aussi que c'est la tâche des médias, la tâche de tous les citoyens, de passer de la vision globale, indéterminée, à une appréhension plus rationnelle. Une appréhension dans laquelle la connaissance l'emporte sur l'opinion et l'émotion. Alors, précisément, et effet sur le corps social, il y a visiblement des spectateurs dans la salle qui sont d'accord avec le texte que vous avez co-signé, puisque vous avez parlé de ce texte parlementaire, rejeter ce texte au nom de nos libertés fondamentales, Pierre Rosanvallon, que vous avez co-signé avec d'autres, comme Thomas Piketty, et puis des juristes de droite et de gauche, Mireille Delmas-Marty, vous avez parlé de Pierre Mazeaud, et quelques autres. Patrick Boucheron, effet en fait, de cette violence sur le corps social, beaucoup de choses ont été dites. Prenons quelques points. Est-ce qu'il y a un risque, comme vient de le pointer Pierre Rosanvallon, finalement, une sorte de phobocratie, une tentation de gouverner par la peur ? Première chose. Est-ce qu'il y a précisément là, est-ce que vous pensez, et vous semblez le penser, puisque votre leçon au Collège de France, comme je le rappelais, vous parlez de votre retour chez vous
après avoir été à place de la République, vous avez vu ces textes, ces bougies, ces fleurs. Vous rentrez chez vous, vous tombez sur les vieux illustrés que vous aimez compulser, et puis vous tombez sur ce volume du troisième livre des Misérables de Victor Hugo, donc au premier chapitre, et notamment intitulé Paris étudié dans son atome, ce qui est une sorte d'ode au gamin de la capitale qui raille et qui règne. Et vous dites, on lit ceci, vous citez Victor Hugo, donc tenter, braver, persister, persévérer, s'être fidèle à soi-même, prendre corps à corps le destin, étonner la catastrophe par le peu de peur qu'elle nous fait, tantôt affronter la puissance injuste, tantôt insulter la victoire ivre, tenir bon, tenir tête, voilà l'exemple dont les peuples ont besoin et la lumière qui les électrise. Alors, risque de gouverner par la peur, et puis comment étonner la catastrophe, puisque c'est une façon peut-être plus poétique et imagée, mais d'illustrer ce que vient de dire Pierre-Rose Danvallon. Le problème, c'est que pour l'instant, ce sont plutôt les catastrophes qui nous étonnent, et qui nous étonnent par leur capacité, au fond, à nous rappeler ce que c'est qu'une catastrophe, c'est-à-dire pas nécessairement l'irruption soudaine de ce qu'on n'avait pas prévu, mais simplement la continuation de ce qui est partout annoncé. Parce que c'est ça qui me frappe dans ce que vient de dire Pierre-Rose Danvallon, c'est que vous avez parlé effectivement de l'Europe, des États-Unis, on pourrait dire la politique indienne, par exemple, quand on lit les journaux, enfin de toute façon, d'une manière générale, cette lecture des journaux, cette prière de l'homme moderne, Kant, Hegel, n'est pas bien joyeuse en ce moment. Je ne vois pas quel est l'endroit du monde où progresse justement cette connaissance contre les préjugés. Et donc, de ce point de vue-là, la catastrophe serait que ça continue ainsi. Donc, il faut bien trouver quelque chose. Alors, la phobocratie, avez-vous dit, effectivement, c'est cette idée que Corey Robin, qui est un politiste américain, a proposée dans son livre qui s'appelle « L'histoire de la peur ». Et c'est pour ça que j'ai dialogué avec lui dans ce livre qui s'appelle « L'exercice de la peur », donc auquel vous faisiez allusion. Je dis un mot quand même des conditions du dialogue, c'est quand même assez singulier. On nous demande de parler, c'était un mode d'emploi à Lyon, parce que j'avais écrit ce livre qui s'appelait « Conjurer la peur », qui était sur une fresque siennoise, mais déjà au fond sur une expérience communale qui montrait combien l'histoire de la démocratie était réversible et combien elle pouvait s'interrompre. Donc, d'une certaine manière, il y avait quelque chose comme ça. Ça, c'était en novembre 2014, au moment de mettre par écrit ce livre et passer janvier 2015. Donc, on en tient compte, évidemment, pour faire une postface. Et puis, le livre paraît après le 13 novembre. Donc, d'une certaine manière, on voit bien comment cette catastrophe lente à venir, disait Walter Benjamin, comme continuation du pire, elle continue, mais elle nous surprend encore et elle nous dépasse. Et d'une certaine manière, elle vient sans cesse avoir le dernier mot. Alors, comment faire en sorte qu'elle n'ait pas le dernier mot? C'est ça, la question. Alors, dans l'histoire de la peur, Corey Robin décrit la guerre contre le terrorisme qu'a mené les États-Unis avec cette idée simple qu'une guerre se termine. Il y a toujours un moment où se finit une guerre. Mais qu'en revanche, bien plus persistantes sont les institutions de la peur qu'on a effectivement installées pour gagner cette guerre, mais qui, elles, demeurent et finissent par nous faire peur. Alors, il fait évidemment parler, il fait allusion au Patriot Act. La question, et ça c'est une question effectivement que je voudrais poser à Pierre-Rose Danvallon, parce que moi je n'en sais rien, je ne suis pas expert de ces questions-là. La question, c'est que, évidemment, cette question du Patriot Act
Et donc une possibilité qu'il y ait un Patriot Act à la française qui vienne dénaturer nos institutions, si tant est qu'aux États-Unis elle ait dénaturé les institutions américaines, ce qui n'est pas si évident, mais enfin bon, c'est notre inquiétude face effectivement aux lois, en tout cas de constitutionnalisation de l'état d'urgence qui nous sont proposées. En même temps, on voit bien que ce qu'il y a à craindre, ce que nous subissons déjà, ce n'est pas un État policier. C'est un étiolement de la vie sociale. Ce qu'il y a à craindre dans cette atteinte aux libertés publiques, parce que, de toute façon, inévitablement, tout gain de l'État sécuritaire se paye par des pertes de libertés publiques qu'il est ensuite très difficile de retrouver. Ça, historiquement, c'est vrai. Ça crée une forme presque irréversible. Mais enfin, quand même, ce que vous avez dit de la différence de réaction sociale entre janvier et novembre, j'entends ce que vous dites, je comprends, et en même temps, ça continue à me sidérer. On dit c'est un effet de l'état d'urgence, mais pas en tant qu'il nous empêcherait de manifester, mais en tant que, de fait, il produit ces effets qui sont un lent étiolement de la vie sociale. Est-ce que c'est ça qu'il y a à craindre ? En dehors, effectivement, du combat qui est je trouve aussi que c'est un juste combat politique contre, effectivement, la déchéance de la nationalité, qui est inutile et dangereuse, mais qui, effectivement, et c'est une autre inquiétude, peut-être l'inquiétude démocratique la plus sidérante, ne choque apparemment personne dans l'opinion, qui est au mieux indifférente. Je crois que pour le Patriot Act, on peut dire deux choses. C'est que le Patriot Act, d'abord, avait été voté pour un an au lendemain du 11 septembre, et donc il est reconduit depuis maintenant 14 ans. Bon. Et quels sont les éléments, alors les éléments spectaculaires du Patriot Act qui ont marqué les esprits, c'est par exemple la possibilité de détenir sans limitation de durée ces ennemis combattants particuliers qui n'étaient pas américains pour ne pas être justiciables du droit américain et qu'on a mis dans un endroit qui n'était pas les États-Unis, qui était Guantanamo. Donc ça, c'est spectaculaire. Mais il y a eu peut-être deux choses beaucoup plus graves. La première chose plus grave, c'est que c'était le début d'un mouvement de renforcement considérable du pouvoir exécutif en matière de politique extérieure. Avec le fait que l'exécutif étant affaibli dans le terrain intérieur, a cherché de plus en plus à exister en manifestant la puissance américaine sur le terrain militaire. Et donc là, il y a une espèce de pression à ce que l'exécutif plus faible en matière intérieure existe de plus en plus en matière extérieure. Donc ça, c'est une conséquence parfaitement tangible. Et il me semble qu'on peut l'avoir en France, pas en Allemagne, mais en France, on peut l'avoir. Et puis la deuxième conséquence parfaitement tangible du Patriot Act, c'était le développement de la NSA, c'est-à-dire ce droit presque illimité d'enquête sur les citoyens. Et d'enquête sur les citoyens avec des conditions d'utilisation qui sont de moins en moins contrôlés, parce que ce que l'on voit chaque jour aujourd'hui, c'est justement que les États-Unis, sur le papier, ont un contrôle des agences de renseignement et des agences publiques qui est plus fort qu'en France. Mais pratiquement, on découvre tous les jours que la CIA manquait aux gens, que la NSA manquait au Congrès. Donc là, on a une sorte d'état d'exception qui se met en place à l'intérieur de l'État démocratique en matière extérieure. Et c'est cela, pour moi, qui est la menace insensible, véritable. Et ça, on ne l'a pas en France pour l'instant. Mais ça peut être le résultat d'une évolution possible et qui serait là, effectivement, très, très préoccupante. Mais le second problème, c'est au fond, pourquoi la société ne réagit-elle pas davantage? Mais que voudrait dire réagir pour la société? Est-ce que réagir, ça veut dire simplement manifester dans la rue?
Non, réagir, c'est arriver à trouver les moyens par lesquels la société reprend corps davantage, trouver les moyens par lesquels la société se solidarise davantage. Or, nous sommes dans une société dans laquelle, au contraire, il y a une espèce de déliaison qui est à l'œuvre, une sorte de désolidarisation qui est à l'œuvre. Je pense que ce que les événements actuels nous font, ce dont ça nous fait prendre conscience de façon extrêmement cruelle et forte, c'est que nous n'avons plus de vision positive de l'émancipation individuelle et collective. Et c'est cela le fond de la question. C'est que ces circonstances très particulières, ces agressions dramatiques, nous font prendre conscience que la société dans laquelle ces événements apparaissent est une société, au fond, qui est devenue beaucoup plus fragile et qui n'a plus trouvé des principes d'organisation, des principes de construction d'elle-même qui lui dessinent un avenir positif. Pour le dire autrement, c'est le fait que les idées conservatrices deviennent dominantes et que les idées de progrès sont en panne. C'est aussi cela dont notre société souffre pour faire face, me semble-t-il, à l'événement. Et d'où, selon vous, en tout cas, cette éventuellement, non pas demande, mais acquiescement relatif à cette transformation d'un état de droit en ce que Giorgio Agamben appelait une forme d'état de sécurité. Mais Patrick Boucheron, j'aimerais vous poser la question, parce que ça, vous en êtes spécialiste. Vous avez évoqué cette fresque. Cette fresque, elle a un titre, elle s'appelle « Les effets du bon et du mauvais gouvernement ». C'est une fresque qui a été peinte par Ambrogio Lorenzetti dans le palais communal de Sienne. Et vous dites, donc 1338, et vous dites dans ce livre, donc... d'entretien avec Corey Robin, qui lui a fait cette histoire politique de la peur, vous dites « C'est après coup que la fresque d'Ambrogio Lorenzetti renvoyait pour moi, en tout cas, à cette topographie de la peur dont Paris fut en janvier 2015 l'impressionnant théâtre. » Qu'est-ce que vous voulez dire par là? En quel sens une fresque peinte en 1338 peut dessiner une topographie de la peur à Paris en novembre 2015. C'est une, si je peux raconter une minute, effectivement, c'est un livre d'images, en somme, sur une image et sur la manière de la regarder, et sur la manière qu'elle a de nous regarder, et sur sa capacité à la fois à documenter un moment. Ça s'est passé à Sienne en 1338, et un peintre figure comme en état d'urgence ce qui risque de lui arriver à lui et aux Siennois, c'est-à-dire une commune. Et donc là, c'est effectivement riche, me semble-t-il, d'une possible connivence avec notre temps, une commune assez sûre de ses droits, assez fermement établie dans sa constitution, mais qui lentement se trouve érodée par un principe contraire, un principe autoritaire. Et donc la question qui est posée par la chute des communes italiennes, ou en tout cas leur lent affaissement sous le poids de ce qu'on a appelé la seigneurie, c'est comment un régime autoritaire vient en régime démocratique se loger et gripper les rouages sans qu'il y ait à proprement parler une catastrophe spectaculaire, mais une dégradation lente de l'esprit public, de la langue aussi, on en revient. Et tout cela, le peintre avait voulu le rendre visible, que les dirigeants l'aient sous les yeux, qu'ils la voient en peinture, littéralement. Bon, voilà. Il se trouve que j'ai fait ce livre, et ce livre s'appelle « Conjurer la peur » parce que justement, une des valeurs civiques que l'on met en avant pour ces communes qui se sentent en danger, c'est ce qui est appelé en latin « securitas ». C'est ce que peut-être on pourrait davantage que par « sécurité » traduire par « sûreté ». Ce mot qui est un mot des Lumières, hein, où la sécurité
enfin la sûreté, elle se défend aussi contre l'État, ou possiblement contre l'État lorsqu'il attaque ou cerne de trop près les corps et les esprits. Donc, ça veut dire qu'il y a là une sorte de mise en tension d'une image qui désigne la securitas comme la forme, au fond, la plus achevée des valeurs communales, bon, de participation politique, qu'on appellerait, nous, républicaine. Mais en même temps, pour contraster ce bon gouvernement d'une cité qui est d'abord une cité juste, c'est-à-dire réglée par une justice sociale, distributive d'ailleurs, avec un impôt qui fonctionne, avec une équité, etc., eh bien, c'est contrasté par, évidemment, son contraire, c'est-à-dire une peinture de la guerre. Et sur la partie mauvaise de la fresque, et dans ce livre je n'ai rien fait d'autre que de regarder plus intensément que les commentateurs précédents, me semble-t-il, la partie mauvaise, parce que là résidait, disons, la mise en tension de l'œuvre. On voit la guerre comme une sorte de rumeur, c'est-à-dire on voit à gauche, dans le Contado, une armée dévaler la colline, mais ce ne sont qu'ombres estompées, contours laiteux, on voit vaguement les choses, mais c'est comme si c'était très loin, et brutalement, par une sorte d'accident de peinture, c'est-à-dire, enfin, ça colle pas, même la perspective n'est pas raccord, eh ben, elle est là, dans la ville. Et la ville, qui était notre lieu quotidien de vie, devient théâtre de guerre. Bon, il se trouve que ce livre, j'avais décidé de le défendre, comme on doit défendre un livre aujourd'hui, c'est-à-dire en librairie, et que j'ai fait une quarantaine de manifestations, et au fur et à mesure, le temps passait, et puis il est arrivé ce qui est arrivé, et donc je faisais toujours voir la même image. J'avais, je crois, à peu près toujours les mêmes mots pour la désigner, mais voilà. Il y avait eu le 7, 8 et 9 janvier, et cette image-là sautait littéralement aux yeux de ceux qui la regardaient. C'est ça que ça veut dire, la topographie de la peur. Et malheureusement, lorsque j'écrivais ça, je parlais de janvier 15, et puis en novembre, voilà, il se trouve que moi j'habite directement le quartier qui a été touché, et je pense que c'est aussi un quartier qui a été touché. C'est comme on a tiré sur le pont, comme disait Ivo Andrić, parlant des guerres dans l'ex-Yougoslavie. C'est très important, on a tiré sur le pont, c'est-à-dire un endroit où précisément le Bataclan, vous savez, c'est un lieu où il y a trois mosquées autour, c'est un des lieux où il y a le plus, les mosquées qui sont des mosquées libérales, enfin, donc on comprend très bien que s'il y a un plan, et je pense qu'il y en a un, d'une violence qui est folle, mais qui n'est pas aveugle, c'est-à-dire en tout cas qui regarde là où elle va taper, on comprend très bien que le lieu n'était pas choisi au hasard. Dès lors, la question, elle peut être encore plus désespérante que celle que pose Pierre-Rosan Vallon, qui dit, ben, pourquoi nous ne réagissons pas ? Parce que nous n'en sommes plus capables. Mais il y aurait une autre réaction possible, qui serait la guerre civile. Voilà, c'est-à-dire que au fond, on sait très bien quels sont les buts de guerre. Cette guerre-là, c'est-à-dire c'est-à-dire là, pour le coup, une puissance qui est aussi une puissance militaire et quasi étatique, Daesh. Ils veulent effectivement qu'il y ait des affrontements intercommunautaires, des affrontements armés, parce que bien sûr, on n'est pas aux États-Unis, mais il y a aussi des gens qui sont armés. Pour l'instant, rien et rien de rien. Et évidemment, il ne faut surtout pas être prophète de malheur, mais il y aura peut-être des répliques. Et ce qui est tout à fait sidérant, c'est que, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle, pour l'instant, c'est tout à fait frappant. Vous parliez, Pierre, de la question des idées progressistes. Bon,
appelons les choses par leur nom, enfin, je veux dire, après les attentats, dans les quartiers qui ont été touchés, dans le 10e et 11e arrondissement, et même dans les bureaux de vote de ces quartiers-là, c'est là où presque nationalement on a les scores les plus bas du Front National. Donc, il n'y a pas de réaction parce que voilà, c'est pas effectivement les gens, les bobos du 11e arrondissement qui vont faire des ratonnades pour dire les choses brutalement. C'était déjà le cas avant les événements, il faut voilà. le dire. Hein, oui, mais ça n'a pas bougé. Ça n'a pas bougé. Ça n'a pas bougé. Oui. C'est quand même quelque chose à... Mais, voilà. Moi, je sais pas ce que... Enfin, c'est absurde de dire ça, mais on n'est pas... Enfin, je veux dire, la société française n'est pas à l'abri d'une réaction qui, elle, serait une réaction possiblement dévastatrice. Elle n'est pas, la société française n'est pas à l'abri, je ne pense pas que pour l'instant la perspective de la guerre civile soit partie des choses qui peuvent arriver. En revanche, des formes d'anomie, des formes d'implosion, c'est surtout cela, des formes de désagrégation, c'est davantage de cet ordre-là, ce qui est l'ordre du possible. Mais on a tout de même, dans notre histoire récente, on peut toujours discuter les périodes de référence que l'on prend, mais après tout, après la Première Guerre mondiale, qui était un moment d'épreuve très grande, on avait vécu une épreuve considérable, c'est de l'épreuve vécue ensemble qu'est né le sentiment qu'on devait faire des choses nouvelles ensemble, que l'épreuve commune justifiait et fondait une solidarité plus forte. Moi, en tant qu'historien de l'État-providence, c'est absolument évident. Le préambule de toutes les lois sociales, des grandes réformes de 1928, comme celle du lendemain de la Deuxième Guerre mondiale créant la sécurité sociale, commencent tous un préambule qui dit « Après la terrible épreuve vécue ensemble, il y a une solidarité plus forte qui est ressentie comme nécessaire. » Un exemple encore plus frappant, c'est aux États-Unis, des membres, des sénateurs républicains de droite ont eu cette expression extraordinaire « Il faut aussi que les dollars meurent pour la patrie ». Bon, c'était la première fois aux États-Unis qu'on entendait dire ça, que les dollars meurent pour la patrie. En 1910, il y a eu les premières discussions, comme en France, à peu près la même temporalité, sur l'imposition du revenu progressive. À l'époque, le premier projet américain prévoyait une imposition de 2%. Une majorité du Sénat l'avait repoussé en disant « La mise en place d'un impôt sur le revenu à 2%, c'est le début du communisme en Amérique. » En 1925, Taft, qui était un républicain, a fait voter une loi le faisant passer à 60%. Donc, qu'est-ce qui fait qu'à 2%, c'était le communisme, et à 50%, c'était les républicains acceptés. Et comme vous le savez, il y aura, pendant la Deuxième Guerre mondiale, même le taux marginal supérieur, c'est quelque chose que Piketty a rappelé, le taux marginal supérieur d'imposition du revenu était jusqu'à 94% aux États-Unis. Quand Mme Thatcher est arrivée au pouvoir, le taux marginal supérieur d'imposition des revenus financiers était de 80% en Grande-Bretagne. Dans la France de Giscard d'Estaing, le taux marginal d'imposition du revenu était de 72%. Aujourd'hui, aucun parti politique d'extrême-gauche ne propose d'aller au-delà de 50 ou 60%. Qu'est-ce qui faisait que cela était possible? C'était... L'épreuve commune avait resserré les liens dans la société. Aujourd'hui, l'épreuve commune n'est pas productrice de liens. Ou alors, mais ça c'est la question effectivement qu'on peut, poser comme citoyen. Ou alors, il y a malgré tout des ressources dans la société française qui accueillerait un idéal de progrès social, que ceux qui, dans la classe politique, font profession, normalement, devraient faire profession de défendre, ne veulent pas voir, et auxquels, surtout, ils ne veulent pas croire.
Oui, bon, là, on peut avoir une discussion politique sur ce plan-là, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce qui était remarquable après la Première Guerre mondiale, après le sentiment de cette épreuve en commun, c'est qu'il y avait des représentations positives de ce qu'on pouvait faire. Aujourd'hui, indépendamment, je dirais, de la disponibilité de forces politiques pour le faire, il y a les représentations positives de ce qu'on peut faire qui font défaut. Alors qu'avant, il y avait l'évidence de ce qu'il fallait faire, l'évidence de la sécurité sociale, l'évidence de l'impôt sur le revenu, l'évidence d'un certain type de politique keynésienne. Ces évidences étaient là pour faire en sorte que le sentiment de l'épreuve commune trouve naturellement un langage et des objectifs avec elle. Aujourd'hui, peut-être que la disponibilité politique fait défaut, mais les éléments de langage, les éléments de formulation eux-mêmes font défaut. Et d'un certain point de vue, on peut penser aussi que c'est parce que ces éléments de langage, ces éléments de formulation font défaut qu'il y a aussi l'atonie politique qui en résulte. En tout cas, moi j'en tire une conclusion. C'est que pour nous qui faisons profession de réfléchir à l'histoire, etc., on a quand même énormément de travail sur la planche. Mais en même temps que nous avons du travail sur la planche, je crois aussi qu'il faut multiplier les possibilités, les lieux dans lesquels l'expression, la réflexion citoyenne trouve sa place. C'est dans ce sens-là que moi j'avais signé aussi la pétition pour des primaires. Ce n'était pas simplement pour choisir le candidat, c'était pour dire qu'il faut redonner de la place à la délibération, à la discussion dans le monde social, et c'est cela qui fait terriblement défaut aujourd'hui. Alors, le lieu, nous en avons un ce soir, et il y a des personnes qui vous ont écouté, qui ont sans doute des questions à poser, puisque nous terminons la séance, la soirée à 21h. S'il y a des questions, signalez-vous, on va vous faire passer un micro. Alors sur cet affaiblissement de la pensée progressiste et cette hégémonie de la pensée conservatrice, eh bien, je crois qu'une autre soirée serait absolument nécessaire. Plusieurs. Et je laisserai Patrick Boucheron conclure, puisque vous avez donné un mot de conclusion, et Patrick Boucheron souhaitait que la violence n'est pas le dernier mot. Mais après les questions, s'il n'y en a pas, je le comprendrai aussi, puisque vous avez abordé beaucoup de choses. J'espère simplement que ce n'est pas lié à l'effet... de sidération dont nous avons parlé tout à l'heure. Je vous en prie, je vois. Voilà, c'est à vous. Bonjour, enfin bonsoir. Bonjour. Alors j'avais une question à poser par rapport à ce que vous venez de dire en fait en conclusion. Vous avez beaucoup parlé, mais même durant le reste de vos interventions, de la société, beaucoup le mot société, et assez peu justement des institutions, que ce soit l'État, que ce soit un petit peu à la fin les partis, etc., que ce soit les médias. Et justement, vous avez fini en disant qu'il manquait peut-être ces éléments de langage, ces éléments de réflexion, ces idées progressistes, disons, pour penser, pour répondre, voilà, pour se dire, maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? On est effectivement devant cet état terrible, on ne sait pas trop comment réagir, on a peur, etc. Est-ce qu'il n'y a pas un rôle justement des institutions qui devrait être non pas d'empêcher le débat, en assimilant par exemple l'explication par la sociologie, les sciences sociales, etc., à l'excuse, ce qui a été fait assez récemment, ou est-ce que les médias, l'État ne devraient pas avoir justement cette volonté d'expliquer et d'aider à réfléchir les citoyens plutôt que de chercher à faire taire plus ou moins violemment, évidemment on n'est pas dans un état policier, mais à empêcher la réflexion ou à faire taire les gens qui essaieraient de proposer ce genre de réflexion. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Je vous en prie.
Il y a un philosophe, en fait, Pierre Michel Klein, en fait, qui distinguait le fanatisme, qui distinguait en fait deux formes de sacrifice. Un sacrifice qui, lui, serait davantage éthique. On pose par exemple, je pense par exemple à Jean Cavaillès, héros de la Seconde Guerre mondiale, qui s'est sacrifié contre le régime nazi. Et puis le fanatisme, qui, lui, en fait, n'aurait justement aucune. Souffrirait en tout cas d'une absence d'éthique dans le combat que mène le fanatique. La question que je voudrais poser finalement aujourd'hui, est-ce que dans ce qui est enseigné aux jeunes, n'y a-t-il pas un défaut justement de l'enseignement de l'éthique et de la morale qu'on devrait enseigner notamment aux jeunes qui sont issus des quartiers populaires? Merci. Peut-être une troisième question. Les questions que je vais poser, ça rejoint un peu celle de précédente. Je m'interroge un petit peu sur le fait idéologique, de quelle manière en fait il est enseigné effectivement dans les écoles ou dans les instituts. Enfin, la question que je me pose, c'est si finalement, dès l'école primaire, lorsque par exemple il y a des familles qui n'ont pas la structure suffisante peut-être pour encadrer leurs enfants de telle sorte qu'ils puissent grandir dans des conditions de bonnes conditions, qu'ils soient structurés, est-ce que l'école n'a pas un rôle du coup palliatif à ce manque de structuration et ne devrait pas dès les premières années d'éducation à l'école pallier à un manque pour justement aider le jeune à avoir des repères suffisamment tôt sur le plan philosophique, sur le plan éthique, sur le plan moral. Et aussi les autres questions que je me pose, en fait, c'est est-ce que il ne s'agirait pas justement du premier des combats, enfin pour prévenir, enfin repérer, prévenir et désarmer les éléments pathogènes en fait dans une idéologie, quelle que soit cette idéologie, qu'elle soit religieuse ou qu'elle soit idéologique, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi ajouter des éléments de psychologie, d'études de la psychologie à l'école, sans pour autant que ce soit quelque chose de très, je dirais, intellectuel, mais simplement de poser des bases du rapport à la psychologie, à la psyché, quoi, en fait, pour prévenir toutes ces déviances. Et est-ce qu'il ne faudrait pas aussi faire attention un peu aux ismes, à tous les ismes qui résultent un peu d'une recherche idéalisée finalement de l'homme, parce que l'homme a besoin de se raccrocher à des idéaux. Donc il ne faudrait pas faire attention aussi à tout justement tous ces idéaux qui peuvent amener à une idéalisation fascisante à terme. Donc est-ce qu'on ne pourrait pas justement enseigner un petit peu ça à nos, dès le plus jeune âge, quoi. Voilà. Alors Pierre-Rosan Vallon, peut-être sur cette dernière, commençons par cette dernière question autour de l'idéologie et puis de l'éducation. Les débats finalement entre progressistes et conservateurs ont beaucoup tourné autour de l'école, de l'éducation. On a beaucoup opposé instruction et éducation. Est-ce qu'il faudrait, face à ce qui nous est arrivé, à la fois instruire mais aussi éduquer, c'est-à-dire que l'école finalement soit un endroit où il puisse être possible d'éduquer des jeunes dont l'éducation minimale serait défaillante dans la sphère familiale pour précisément faire en sorte que peut-être l'idéologie ou les idéologies ne prennent la place, puisque ça semble peut-être dessiné dans cette question, de parents, de repères, de pères, de référents défaillants. Moi, je n'ai pas une expérience d'enseignant, donc je ne peux pas vraiment en parler en connaissance de cause, mais je discute, comme beaucoup d'entre vous ici, avec des enseignants. Et il est certain que l'école doit avoir ce rôle-là, ce rôle d'éducation à la vie, mais peut-être que le défaut, c'est de vouloir que tout ça se fasse à travers des structures générales, des programmes généraux et des obligations nationales. Je pense qu'il faudrait mieux envisager de dire que chaque semaine à l'école, il y
a, par exemple, 2 heures ouvertes pour parler de ce qui se passe dans la société, de ce qui se passe même dans l'école, que c'est davantage à travers l'ouverture d'un espace que l'obligation des programmes que les choses peuvent progresser, me semble-t-il. Et quand je connais des expériences que font sur le terrain des professeurs, y compris dans des quartiers très difficiles, c'est dans ce sens-là qu'ils vont. Ils ne vont pas dans le sens de la révision générale des programmes comme la solution à tout, mais comme des espaces d'ouverture dans l'école. Mais en même temps, il ne faut pas tout apprendre, tout attendre de l'école, parce que le problème se pose ensuite beaucoup, et je pense qu'il n'y a pas assez, effectivement, d'espace de discussion, d'espace de confrontation dans la société, et que les endroits comme ici, mais comme beaucoup d'autres, moi j'ai organisé de nombreux forums à Grenoble où il y avait pendant 2-3 jours 15 000 personnes qui venaient pour discuter. Je trouve que c'est ce genre d'expérimentation et de pratique qu'il faudrait aujourd'hui plus que jamais développer, me semble-t-il. Patrick Boucheron, est-ce qu'on peut, sur cette différence entre le sacrifice éthique du héros résistant, monsieur parlait de Jean Cavaillet, ce mathématicien français résistant, et ce sacrifice, morbide, qui lui, en fait, serait amoral? Est-ce qu'on peut distinguer aussi facilement, simplement, ces deux formes de sacrifice? Et là, encore une fois, est-ce qu'il y a un rôle, quand même, puisque vous êtes aussi professeur, certes au Collège de France, mais c'est ouvert, me semble-t-il, aussi au plus grand nombre, est-ce qu'il y a un rôle, tout simplement, pédagogique, de l'école, du collège, du lycée, pour endiguer cette catastrophe qui ne cesse, nous avons l'impression de se prolonger? Oui, bien sûr, cette pulsion de mort, peut-être avons-nous tort de l'ennoblir de mots trop grands pour elle, en disant « cause », peut-être n'est-ce rien d'autre que le retour lancinant de tous les cris de tous ceux qui crient « vive la mort, vive la muerte ». Et au fond, moi, je crois avoir compris ça quand on m'a expliqué ce que voulait dire « shahid » en arabe, c'est-à-dire pas seulement « martyr », mais « mort vivant ». Voilà. C'est-à-dire que ce qui, Hamedi Coulibaly, lorsqu'il est rentré dans l'hypercachère, a-t-il dit, prétend-il, il était déjà mort. Il était déjà mort. Et il était déjà mort à lui-même, et il aurait effectivement, c'est en tout cas une de ses des enregistrements de sa GoPro qui le prouverait, il aurait dit, mais vous les Juifs, vous aimez la vie, moi je n'aime que la mort. Bon, donc faut pas oublier ça, hein. C'est-à-dire que d'une certaine manière, oui, nous sommes désarmés. Nous le sommes du point de vue intellectuel, du point de vue politique, face à cette cause mortifère, nous n'avons pas effectivement... Alors, on a plein d'idées, mais aucune, sans doute, ne s'impose avec la force de ce que Pierre a appelé l'évidence. Voilà. Cette évidence qui sera partagée par la société et même par ceux qui ne sont pas nécessairement du camp du progrès, mais qui seront obligés, au fond, de l'assumer parce qu'ils comprendront qu'on ne peut pas faire autrement. Évidemment, on rêve d'une... Et pourquoi pas, au fond? Pourquoi c'est si utopique de dire qu'il peut y avoir une autre réponse de l'État à ce moment-là, qui est une réponse aventureuse dans l'ouverture, de dire, eh bien, peut-être c'est le moment de prouver que la République s'ouvre à la diversité, c'est peut-être le moment de donner le droit de vote aux étrangers qui étaient la vieille promesse de la gauche, toujours trahie, et pourquoi pas aujourd'hui? Précisément puisque c'est difficile, précisément puisque tout se referme, pourquoi pas maintenant? Ça, c'est quelque chose, effectivement, qui pourrait
voilà, qui est ultra minoritaire aujourd'hui, mais je veux dire, cette idée-là que précisément, quand tout se referme, il n'est pas raisonnable de contribuer soi-même à la fermeture et de courir après un discours sécuritaire ou autoritaire, c'est quelque chose effectivement qu'on doit avoir en partage. Mais vous dites, et là je suis d'accord, effectivement, bien sûr l'école, mais l'école l'a chargée d'un rôle écrasant, serait déraisonnable. Parce qu'au fond, si nous sommes désarmés, ben d'abord, on doit le revendiquer. Voilà. C'est parce que la paix est notre valeur, et y compris d'ailleurs les formes les plus radicales de la radicalité politique. C'est ce que Pierre Rosanvallon rappelait, ce moment, qui est un moment fondateur, en fait, de l'histoire de des sociétés européennes, où ces groupes d'extrême gauche déposent les armes. Le renoncement à la violence de la gauche prolétarienne, Mathieu Riboulet en fait le récit. On dit, mais quoi, ça concerne 20 personnes. Oui, peut-être, mais c'est un moment fondateur. Voilà, nous avons déposé les armes, nous sommes désarmés, donc nous sommes vulnérables, mais que cette vulnérabilité ne soit pas intellectuelle, qu'elle soit effectivement... Et donc, pour cela, évidemment, c'est le concours de tous qui est requis. Et ce que dit effectivement Pierre Rosanvallon est très juste. Nous sommes nombreux à ressentir une forte attente. Et une attente, enfin, dès qu'on fait des manifestations publiques, des débats, on voit qu'il y a là quand même un terrain qui, pour l'instant, attend au fond une parole qui ne vient pas vraiment, des initiatives qui peinent, qui tardent à s'annoncer. Et pourtant, on aurait tort de sous-estimer cette disponibilité, voilà, cette disponibilité sociale à un discours à nouveau entraînant. Mais pour cela, il n'y a pas que l'école, il n'y a pas que l'université, il n'y a pas que les intellectuels. Voyons comme l'ensemble de notre espace public s'est racorni, s'est rétréci. C'est aussi tout ça qu'on paye aujourd'hui. Donc vous êtes d'accord avec l'idée, et c'était donc pour revenir à la première question, qu'il nous faudrait aujourd'hui, au fond, une grande explication sur les questions d'éducation, le postcolonial, ce nihilisme. Il faudrait précisément, pour reprendre la question de monsieur, que État, médias, institutions, nous y sommes. L'État, c'est pas d'abord à l'État de le faire, je dirais. C'est d'abord à nous tous, dans nos endroits différents. Mais bien sûr, les médias ont certainement un rôle particulier là-dedans. Je pense que le monde des sciences sociales a un rôle particulier. Mais il y a aussi tous ces citoyens qu'on peut dire impliqués et actifs. J'appelle citoyens actifs tous ceux, justement, qui sont curieux de comprendre, tous ceux qui lisent, tous ceux qui écoutent, tous ceux qui viennent à une conférence. Et, vous trouvez ça grave qu'un Premier ministre dise, au fond, en résumé, que comprendre, c'est déjà excusé ? Oui, bon, bien sûr, je trouve ça grave. C'est même pas la peine de s'apesantir sur cette question. C'est primitif, si je puis dire. Donc... Il n'y a pas besoin de grandes... Mais c'est quelqu'un qui dirige le pays. Oui, mais c'est quelqu'un qui dirige le pays, mais qui, justement, le dirige un peu saisi en permanence, gouverné en permanence par l'instant. Et ça, c'est un grand problème de la politique contemporaine, sans parler seulement de telle ou telle personne. C'est que l'instant domine, et que domine aussi l'intérêt politicien immédiat. Je crois qu'effectivement, on voit bien depuis comment un an, tout un ensemble de décisions sont commandées par des visées électorales, beaucoup plus que par le souci primitif de remettre en marche le pays, ou de lui faire prendre un certain nombre de décisions courageuses. C'est évident, mais c'est évident en même temps que je ne peux pas me contenter de crier haro sur le baudet politicien. Parce que ça, c'est facile de le faire. Je ne pense pas que ce soit injustifié.
Mais en même temps, ça me paraît facile de le faire. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est de voir ce que moi, personnellement, je peux faire et ce que nous pouvons faire. Parce que ça, au moins, nous sommes maîtres de nos ambitions personnelles. Ça, c'est sûr. Décrier le manque d'ambition des autres, bien sûr, il faut le faire, mais en tout cas, c'est assez productif aussi de s'intéresser à ses propres ambitions à soi. En tout cas, moi, c'est ce qui m'intéresse. Bon, eh bien, écoutez, merci pour cette ambition mesurée. Merci donc à Patrick Boucheron, merci à Pierre Rosanvallon et puis remerciements au service parole du Centre Georges Pompidou et développement culturel de la BPI. Bonne soirée à tous et continuons cette grande explication.